Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve Laurence alors que le club de lecture autour du livre de la joie du business vient de se terminer. Oui, bonjour Tecla. Et puis on va Alors, parler justement de tout ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines où nous avons présenté le livre. oui, pendant 6 mois, nous nous sommes donné rendez-vous et nous vous avons donné rendez-vous pour lire et explorer ce livre-là. La joie du business, qui a été écrit par Simone Milazas. Oui, Simone Milazas, donc qui est une proche collaboratrice de Gary Douglas et de Dane Eyre, donc les fondateurs et cofondateurs d'Access Consciousness. Et Simone, donc qui a beaucoup de joie dans son business, dans ses business, et qui nous invite au travers de ce livre à découvrir des outils qu'elle utilise tous les jours et que nous aussi maintenant avec Tekla on utilise tous les jours. Pour avoir plus d'aisance dans notre business, dans notre vie de tous les jours. Et pendant ces 6 mois, donc, on a découvert chapitre par chapitre des outils. On a fait ressortir des choses avec les différents participants. On a pu avancer sur le sujet. Et puis, de semaine en semaine, donc, voilà, avoir plus d'aisance avec nos affaires. Oui, Simone, elle dit d'elle-même qu'elle n'est pas experte parce qu'elle n'a pas fait des tas d'études au sujet du commerce, peut-être du business, tout ça. En même temps, elle a une expérience phénoménale parce qu'elle a plongé, elle, dans le bain d'acheter et de vendre quand elle était toute jeune. Et quand elle a rencontré les outils donc d'Access Consciousness avec Gary Douglas, et ben, elle a commencé à utiliser ces outils-là pour créer encore plus. Oui, et puis donc c'est lui qui l'a aidé justement à mettre un peu en forme aussi ce qu'elle faisait, un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Elle faisait du business avec beaucoup de joie sans vraiment avoir une méthode. Voilà, pour elle c'était naturel. Elle pensait que tout le monde, c'était de la même chose pour tout le monde. Et Gary lui a dit, mais non, le business c'est lourd pour la majorité des gens. Et il l'a encouragé justement à écrire ce livre pour montrer voilà, qu'on pouvait faire autrement, qu'il y avait d'autres moyens, d'autres façons de faire. Et donc c'est ce qu'on a exploré nous au fil de ces 24 chapitres. Donc 24 rendez-vous, 24 vidéos qui sont enregistrées, qui sont disponibles. Et à chaque rendez-vous, bah, des questions qui sont posées, des outils d'accès qui sont présentés. Et puis, une invitation à les utiliser dans son quotidien. Voilà, et c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est en plus très simple, à la portée de tout le monde, qu'on ait une entreprise, qu'on ait des affaires, qu'on ait une activité, qu'on soit salarié, peu importe. En fait, qu'on connaisse Access ou pas, voilà, ce livre permet de découvrir. Des choses différentes, voilà, si on a envie, si on en fait le choix. Et puis, si on connaît déjà les outils d'accès, ça permet de les approfondir, d'en découvrir d'autres. Et puis, voilà, d'aller joyeusement tous les jours à son travail. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, ce sont des vidéos qui sont pour les gens qui se disent qu'il doit bien y avoir autre chose que de devoir faire des plans, des calculs. Voilà. Ça n'empêche pas de devoir le faire quand même, parce que dans cette réalité, il faut quand même peut-être faire un prêt à sa banque. Donc, il faut enfin, monter un dossier, justifier ce qu'on a prévu, comment ça va se passer. Voilà, ça n'empêche pas de se conformer quand même à ça. Et en même temps, ça permet d'aborder ça sous un autre angle, en fait. Chouette. Donc ces vidéos, on peut les trouver sur ta chaîne YouTube, Laurence. Oui, Laurence Allier. Sur la tienne aussi. Oui. Là. Tekla Broudik. Et puis peut-être bientôt sur le site de la joie du business, Joy of Business. Oui, Voilà. donc on va regarder pour pouvoir les mettre en ligne aussi, pour qu'elles soient accessibles, bah, au plus grand nombre, hein, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de joie à faire ça pendant ces 6 mois, à se retrouver régulièrement, à former un tandem avec Tekla, sympathique. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça.
Et puis, quoi d'autre est possible maintenant? Voilà, quelles autres aventures nous attendent? Quelle contribution ce livre peut-il être à votre activité ou même à votre vie? Et quelle contribution toutes les vidéos peuvent-elles être aussi à vous? Oui, il suffit de cliquer et puis de prendre un petit peu de temps pour regarder tout ça et voilà. Et pour les personnes qui veulent aller au-delà, parce qu'il y a quand même, voilà, nos vidéos, c'est comme une mise en bouche. C'est l'apéritif. Et toi, Laurence, tu es facilitatrice certifiée de la joie du business. Mm-hmm. Tu proposes aussi des classes d'une journée ou de deux jours. Mm-hmm. Les gens ont vraiment envie de plonger dans cette manière d'appréhender les activités. Mm-hmm. Avec un autre regard, faire sauter des fois les limitations qu'on peut avoir. Voilà, être prêt à voir les choses différemment et à changer des choses aussi pour soi. Voilà, dans sa façon de faire, dans sa façon de, parce que souvent on répète les mêmes schémas et puis on se dit mais ça, il y a rien qui change. Ben voilà, oui. Est-ce qu'il ne faut pas changer au départ soi-même pour avoir un résultat différent? Et donc, il existe des stages, il y a des ateliers aussi qu'on peut retrouver bah, sur le net. Et puis, voilà, en avant-goût, bah, ces vidéos, ce livre aussi qui permet d'être un support différent, hein, suivant ce qu'on préfère. Et puis, voilà, cette découverte de la joie du business. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que... le monde puisse avoir voilà, cette joie du business et puis cette légèreté dans les affaires qui permet justement d'expanser tout ça, d'expanser les business de tous. Que ce soit le nouveau virus. Oui. Le virus de la joie, y compris parce qu'on se dit souvent que ouais, non, ça c'est mon activité, ça c'est professionnel, ça doit être sérieux. Voilà. Voilà. Et oui, et quelle légèreté on pourrait insuffler dans tout ça, et est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être vraiment dans la lourdeur, la contraction, les choses, les contraintes, voilà, les règles à respecter, voilà, est-ce qu'on peut sortir de ça? Tout en suivant les règles, mais... Voilà. Dépenser pour s'amuser aussi ouais. Avec les règles, voilà, pour ne pas... Ouais. S'enfermer. Et passer à autre chose. Et voilà. Donc, merci Laurence. Merci. Donc, on peut trouver sur ton site qui s'appelle Capzen. Oui, capzen.info. Et sur le tien aussi. Alors moi c'est vicantique.org. Et sinon vous pouvez aussi trouver des informations sur le site d'Access Consciousness. Accessconsciousness.com. Voilà. Le site de la joie du business aussi, qui est accessjoyofbusiness.com. Yes. Plein d'infos partout. Voilà, c'est suffit juste de se plonger un petit peu là-dedans et puis trouver toutes ces infos. Et demander. Oui. Et puis merci Tekla pour cette aventure et puis voilà. Merci à toi Laurence. À bientôt. Plaisir de vous rencontrer ici ou là. En vrai. Oui. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.